Bonsoir, cher public des rendez-vous de l'herbe. J'avoue ici, en cette grande fête de la musique, cette haute fête de la musique, qu'étant au sommet de l'État, nous sommes, le président, le premier ministre et moi-même, responsables des violences policières qui ont eu lieu chez vous, dans cette belle ville de Nantes, Kel Wilson, dans la nuit du 21 juin. Vous le savez, je n'ai aucun tabou. N'en déplaise à mon préfet Claude Darcourt. Jamais ce dispositif policier n'aurait dû être mis en place sur le quai de Loire contre ces jeunes. Ces jeunes qui sont peut-être vos enfants, ces jeunes qui fêtaient la fête de la musique, qui célébraient la fête de la musique et qui ont fini dans la Loire. 14 exactement, dont un, Steve, n'en est pas sorti vivant. Il est vrai, je reconnais, que le commissaire Chassin, sous mes ordres, a utilisé toute la panoplie pour faire arrêter la musique. Matraque, chien, taser, LBD, lacrymo et j'en passe. Mais que voulez-vous? C'est l'économie, c'est ce qui fait vivre la France. Et ça s'exporte jusqu'à Hong Kong. Nous, l'État, nous ne sommes pas à un homicide près, mais chaque fois, nous l'assumons dans le déni. Vous réclamez justice pour Steve, vous n'avez pas tort, et vous pouvez toujours y croire. Pour finir, je remercie la compagnie Luba pour m'avoir offert cette prise de parole. N'oubliez pas, le 14 septembre, reprise des mouvements sociaux sur Nantes. Maintenant, bonne musique et surtout, rentrez chez vous avant 2 h du matin.